à la main gauche, vous êtes chamanais. D'accord. D'accord. Bon, bonjour, hein, bonsoir, non, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la maison de sciences de l'âme. Et moi, je m'appelle Piotr Severin Rossal et je vais... Plus fort. Je veux animer notre rencontre d'aujourd'hui. Madame Małgorzata Smorog-Goldberg, professeure à l'Université Sorbonne, faculté des lettres, directrice du département polonais de l'UFR d'études slaves, HDR, traductrice et critique littéraire, spécialiste de littérature polonaise et centre européenne du 20e et 21e siècle. Donc, Małgorzata travaillait beaucoup sur Witold Gombrowicz, regardez ton CV, et puis Bruno Schulz, alors deux auteurs phares de la modernité et l'antimodernité polonaise. Je dirais qu'elle reste fidèle à jamais à Gombrowicz et dans une certaine mesure à Schulz, ce qui se traduit aussi par le fait qu'elle découvre des éléments gombrowicziens, schulziens, dispersés dans l'ensemble de la littérature et culture polonaise. Elle participe régulièrement aux journées d'études que j'organise chaque année à l'espace muséal Gombrowicz Avance, près de Nice, pour les étudiants de l'UCA. Voilà, donc c'est la dernière édition, mai 2022. Gombrowicz et le reste du monde, Patricia a participé et également. Et Adrien également. Ensuite, elle s'est focalisée sur la littérature contemporaine polonaise et centre-européenne, notamment sur des questions liées à la mémoire individuelle et collective, écriture autobiographique, figure de l'auteur aux prises avec l'histoire, construction et invention de soi. Elle a dirigé, entre autres, un ouvrage collectif, Mémoire de lieu où la prose centre-européenne après 1989. Ce semestre, nous animons ensemble un séminaire consacré aux cultures de guerre qui se déroule à Paris, mais aussi en visioconférence. Donc, je vous invite à y participer. Hein. Il n'y a pas de limite, sans limite. Je n'ai mis qu'à Kef, ou le langage de la deuxième génération de la Shoah. Ici, la langue est aussi cachée, puisque, bon, comment exprimer cet événement inexprimable, comment dire indicible, voilà, c'était le problème majeur de la représentation littéraire, cinématographique, historiographique, philosophique de la Shoah. En revanche, on voit ici un cri silencieux, une grimace d'étonnement, d'affolement. L'œuvre se prépare à dire Shoah, mais aussi Show. Show, et cela au moins sur trois plans. Je, Shoah, Show. Mais Show dans trois significations possibles. La première, c'est « the show must go on ».« The show must go on », c'est-à-dire « quoi qu'il arrive, la vie continue ». Ici, un manège, pas le carrousel, mais un manège, à la place Krasiński du côté arien qui fonctionnait lors du soulèvement du ghetto de Varsovie, et puis revenant dans la littérature et cinéma polonais à plusieurs reprises, est devenu le symbole de l'indifférence, de l'anempathie, l'ignorance de la société polonaise face à la Shoah. Donc, des Polonais dans ce récit, ce sont des témoins indifférents qui ne transmettent pas la mémoire, qui ne donnent pas leur témoignage, qui oublient ou refoulent ce qu'ils ont vu. Donc, bystanders, on peut le traduire
de passants, hein, qui ignorent de ce qui se passe. Un poème très connu de Czesław Miłosz, prix Nobel de littérature en 1980. Je cite quelques lignes. À Varsovie, près d'un manège, par un beau soir de printemps, au soin d'une musique joyeuse, venant du ghetto, le bruit de salve s'est perdu dans le rythme allègre. Et sur le manège, le couple s'envolait dans un ciel serein. Le vent portait le sombre lambeau de maisons incendiées, ce qui allait au manège, touchait de cendre dans l'air, et les robes de filles volaient au vent de maisons en feu. Et les gens riaient, heureux, ces beaux dimanches à Varsovie, dimanche dans l'insurrection, dans le soulèvement du ghetto de Varsovie. Qu'est-ce qu'on peut faire devant la douleur des autres? Aujourd'hui, qu'on regarde surtout à la télé, hein, tous les jours, demande Suzanne Zontag. Quand il y a une distance extrême entre nous et eux, la barrière psychologique, anthropologique, qui nous empêche de réagir ou même de s'engager émotionnellement dans ce qu'on voit. Certes, donc aujourd'hui, donc la télé ou d'autres écrans séparent radicalement ceux qui observent, ceux qui sont observés, mais ce même mécanisme qui tue l'empathie s'est produit également dans la situation où il n'y a pas de distance physique. Dans le film d'Andrzej Brzozowski, Près de la voie ferrée, d'après Medallion et de Zofia Naukowska, on voit dans un cadre une victime, une juive qui a sauté du train allant à Auschwitz, est dans un autre cadre de paysans polonais, mais jamais dans ce film-là, jamais le deux simultanément dans le même cadre. Hein? Donc on voit ces distances extrêmes, même si ils sont physiquement juste donc l'un des autres juste à côté, hein? près de paysans polonais sont près d'une juif, voilà, mais pour montrer ces distances mentales, psychologiques, un réalisateur, metteur en scène, a décidé de filmer cette situation ainsi. Un cadre pour une juive, un autre cadre pour des paysans polonais. Donc finalement, il n'y avait pas de distance physique parce que la Shoah s'est produite tout près du monde chrétien, arien, non-juif, mais il y avait le distance mentale, psychologique, culturelle, qui rendait cette réalité éloignée, comme si elle était observée à travers l'écran de télé. Judith Butler, à son tour, demande comment on divise la vie des autres entre celle qui est digne d'être gardée et celle qu'on peut ou doit sacrifier. Ou ensuite, entre celle qui est digne de devenir un objet du deuil et celle qu'on oublie. Chaque guerre constitue ses propres cadres visuels à l'intérieur duquel tuer est possible. Et même tuer peut devenir un spectacle. Deuxième point, des shows comme un spectacle qui attire, un spectacle qui fascine, qui donne du plaisir, de la jouissance. Donc ici, Bożena Kef, qui se base sur deux textes de la littérature polonaise parus lors de la Pologne populaire, ne dit plus de témoins indifférents, mais des gardiens de la fatalité. Gardiens de la fatalité, parce que la fatalité, c'était le sort qui a été réservé aux Juifs par les Allemands, mais les Polonais gardaient que cette fatalité soit faite.
Et cela pour de nombreuses raisons économiques, religieuses, culturelles, mais aussi pour observer le spectacle fascinant. Bien que ce motif-là revient assez souvent dans la littérature polonaise, la narration dominante, c'est que Bożenakiew dénomme la formule avec l'arbre, Zestaw z drzewkiem. Alors le récit de l'aide apporté largement aux Juifs par le Polonais malgré la peine de mort prononcée pour un tel acte. Un récit alors héroïque et innocent. Ici, vous voyez l'arbre de Juste parmi les nations pour Irena Sondler, qui a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Ce qui était possible grâce à tout le réseau qu'elle a créé, et puis aussi grâce à l'organisation clandestine Jegota, la commission d'aide aux Juifs, partie de la résistance polonaise. Mais il y a d'autres arbres polonais à Yad Vashem, à Jérusalem, exactement 6863, le nombre le plus élevé parmi toutes les nations. Mais cette formule avec l'arbre, qui constituait au moins jusqu'en 1989 la narration dominante, entre évidemment en conflit, en collision avec la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. Donc Małgorzata va parler là-dessus. Et puis, troisième point, c'est Shoah comme show de la pop culture. Maria Janion, spécialiste du romantisme et vampirologue, c'est elle qui a interprété la culture romantique polonaise comme la culture vampirique. Dans le livre « Vers l'Europe », oui, mais avec nos morts, le livre qui est sorti dans un contexte du débat autour de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne en 2004. Nos morts ici sont principalement de juifs, à la fois autres, étrangers, inconnus et étroitement attachés à la culture polonaise. Selon Janion, si nous ne faisons pas le travail du deuil, qui conduit à l'acceptation et à la compréhension de la perte, tous nos morts sortiront de la terre et commenceront à effrayer et à tout détruire en nous. Autrement dit, si nous n'arrêtons pas à pratiquer le modèle des commémorations à caractère mélancolique, martyrologique et vampirique, le passé ne cessera pas à revenir. Donc, vers l'Europe, oui, avec nos morts, mais avec nos morts, oui, mais enterrés à jamais. Sinon, ils reviendront au détriment de la vie politique et culturelle actuelle. Ce qui se passe, littéralement, dans le roman de Igor Ostachovitch, La nuit de Juifs morts-vivants, qui se réfère à La nuit de morts-vivants, un film d'horreur de George Romero. Elle s'effondre entièrement sur le code de la culture, pop, qui sont ici évoqués et parodiés à la fois. On peut situer aussi ce livre dans le courant de textes et films qui rompent avec le tabou esthétique et métaphysique et font de la Shoah un objet de Shoah. Commençons par Maus, un roman graphique d'Art Spiegelman, puis La vie est belle, une comédie de Roberto Benigni, et Le commando, Le bâtard, un film de guerre uchronique de Quentin Tarantino. Uchronique, en général, c'est une histoire alternative. Voilà, donc, certaines questions se posent. La première, dans quelle mesure le code de la culture populaire, de la culture pop, sont utilisés par la deuxième et troisième génération de la Shoah, plutôt troisième, et
en particulier par Bojena ou Minska Kiev. Deuxième question, quels sont les avantages et les risques de cette poétique très longtemps, évidemment inadmissible face à un événement impensable, indicible, inexprimable? Quel rôle peuvent-ils jouer dans la transmission de la mémoire, dans le contexte de ces deux narrations opposées, c'est-à-dire celle dominante dans la mémoire collective encore, et surtout dans la politique historique, à savoir la formule avec l'arbre, donc un récit héroïque, innocent, et celle critique et accusatoire de la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. Et puis enfin, quatrième question, quels sont les autres langages de la deuxième et troisième génération de la Shoah par rapport à ceux de la première génération? Donc, je vais peut-être reprendre le flambeau. Merci Piotr pour cette présentation riche et qui soulève plein de questions. Merci pour la présentation. Donc en effet, j'ai longtemps travaillé sur Witold Gombrowicz, sur Bruno Schulz, et maintenant je travaille sur les narrations mémorielles post-communistes. Parce que dès le début, j'étais passionnée par les constructions identitaires. J'ai travaillé sur Witold Gombrowicz parce que Witold Gombrowicz a perdu sa langue. Il a été forcé par la grande histoire à recommencer sa petite histoire en Argentine en 1939, puisqu'il a accosté en Argentine de sa Pologne natale sur un paquebot en fin août 1939. Donc la Seconde Guerre commence et il décide de ne pas rentrer à Londres, de ne pas défendre la patrie, mais de faire entendre sa voix et de construire son histoire personnelle contre la grande histoire. Donc toujours sa langue, sa voix contre les voix héroïques. Donc, j'ai été fascinée par une sorte de construction de soi dans une autre langue. L'exil, les questions posées par l'exil et par la reconstruction de soi. Ensuite, j'ai travaillé sur Bruno Schulz comme artiste juif englouti par la Shoah. Donc, comme artiste juif qui a cru, comme toute une génération d'artistes, Walter Benjamin, écrivain, philosophe allemand, Zweig, à l'international des artistes, n'est-ce pas? Qu'on était avant tout un artiste et après on était polonais, juif, catholique, orthodoxe, musulman, etc. Cette utopie de la... d'une identité qui serait une identité de quelqu'un de libre, qui se choisit comme artiste, qui choisit son appartenance, eh bien cette utopie s'est terminée par le suicide de Zweig, par le suicide de Walter Benjamin, et par une forme de suicide de Bruno Schulz, qui sort dans la rue au moment de la grande action qui fait rage dans les rues de Drohobych, la ville ukrainienne à l'époque polonaise, depuis 45 ukrainienne, alors qu'il a déjà en poche les faux papiers et que les amis l'attendent à Varsovie pour le cacher. Mais c'est un peu comme Walter Benjamin, c'est un artiste tellement intériorisé, tellement une personnalité tellement complexe qui n'a pas la force de survie qu'auront ceux qui accepteront de se cacher, qui subiront la traque, la dissimulation, la falsification, etc. Un certain nombre d'artistes à l'époque
dépose les armes avant le combat. Et Schultz en est. Et donc, je me suis posé la question, voilà, quelles étaient les constructions identitaires des artistes juifs de l'entre-deux-guerres qui voulaient exister justement comme artistes avant tout et qui ont reçu cette étiquette ethnique, cette étoile jaune imposée de l'extérieur qui devait primer sur tout. Donc, après la chute du mur de Berlin en Europe centrale, et en Pologne, puisque c'est sur le terrain polonais que je travaille principalement, il y a eu toute une série d'écrivains, sur les femmes d'ailleurs, des voix féminines qui se sont emparées de cette identité moderne, qui est une identité complexe et qui contient une complexité d'appartenance. Et j'ai choisi de vous parler, puisque ce sujet est choisi par... alors moi, je suis Mac, donc je ne sais pas sur quoi il faut appuyer. Voilà, donc j'ai choisi de vous parler de Bojena Umiskakev. Je vous la présenterai. Il s'agit d'une philosophe, d'une anthropologue, mais aussi d'une activiste sociale, d'une féministe active sur la scène complexe du féminisme polonais. C'est la génération née en 1948, donc après la guerre, d'une mère rescapée de la Shoah. Donc, dans cette réflexion sur les langages, sur les langues, je voudrais vous parler de la langue de ceux qui ont reçu la Shoah en héritage. De ce relais générationnel et de ces enfants des survivants, des enfants, des petits-enfants, parce que nous avançons et les témoins disparaissent et il reste donc la seconde et la troisième génération. Et ce groupe des enfants, des survivants, a commencé à être identifié comme groupe distinct, comme une entité reconnue par les sociologues, par les anthropologues, par les psycholinguistes, à partir d'un livre majeur dans ce domaine qui a été publié en 1979 par Hélène Epstein, là je vous donne le nom, Le traumatisme en héritage. C'est à partir de là que l'on parle de la Shoah en héritage, n'est-ce pas? Elle a élargi la chose, donc le traumatisme en héritage, conversation avec les fils et filles des survivants de la Shoah. Donc, voilà, dans ce livre, Hélène Epstein analyse et répertorie les degrés de l'impact du vécu des parents sur la perception du monde de leurs enfants et sur les dynamiques familiales que cela a pu créer. Et c'est devenu un livre important pour toutes les formes de traumatisme. Ça marche pour le génocide ukrainien, ça marche pour le génocide parce qu'il est arrivé donc en Afrique, n'est-ce pas, les meurtres interethniques, etc. Ça marche pour toutes les formes de traumatisme. Et donc là, il y a un autre livre important qui est paru en 2004, La Shoah en héritage. Donc elle fait directement allusion au livre d'Hélène Epstein, un ouvrage d'Eva Hoffman, donc née elle en 45, donc tout de suite après la guerre, 1945 à Cracovie, mais très vite émigrée au Canada
avec ses parents et qui est devenue une grande philosophe américaine, ensuite installée aux États-Unis. Et elle a écrit ce livre, La Shoah en héritage, dont je voudrais vous citer un petit extrait. Et elle est par ailleurs auteure d'un livre important pour ma génération et qui s'impose ici dans cette réflexion sur les langues, un livre qui est paru en anglais en 89, qui s'appelle Lost in Translation. Et donc rien à voir avec le titre de Sofia Coppola et son film, mais c'est un ouvrage qui a été très important où elle parle de son arrivée au Canada. Elle quitte la Pologne à l'âge de 13 ans et sur le chaos des codes, des références et sur le fait que à la maison on ne parlait de la Shoah. Et c'est là que je voudrais vous citer ce petit extrait. Au commencement était la guerre. C'est exactement le cas de Bojanakev. Telle était dans mon enfance ma théorie des origines. Pour moi, le monde tel que je le connaissais et les gens qui l'habitaient étaient nés non pas du ventre de leur mère, mais de la guerre. Cette théorie pouvait se comprendre car je suis née en Pologne en 1945 sur le site des plus grands ravages de la Seconde Guerre mondiale. Et assez vite, après le cataclysme, pour que je l'associe aux causes de ma naissance. Les réalités de la mort étaient si omniprésentes qu'elles paraissaient à la fois précéder et remplacer les réalités de la vie. Et c'est comme ça que Eva Hoffman formule la spécificité de ce bagage reçu en héritage par les enfants des rescapés. Et Bojanakev, c'est exactement quelqu'un, donc elle est née 3 ans après Eva Hoffman, et elle aussi a reçu ce bagage en héritage. Mais je ne vais pas parler de la grande histoire du manège des relations entre les Polonais et les Juifs. Je vais parler de la tentative d'une femme de dire « je ». C'est pour ça que je vous disais que cette bouche tordue, c'est pas seulement parce qu'il faut performer, mais il faut performer d'une certaine manière. On n'est pas le réceptacle de la voix des héros, hein, n'est-ce pas ? Il faut, contre cette narration héroïque, construire sa propre voix et faire entendre sa propre voix. Et c'était, et c'est toujours, le drame de cette deuxième génération. Pour la troisième génération, la génération des petits-enfants, c'est plus facile à la limite parce qu'il y a le rapport tendre avec les grands-parents, il y a le grain de la voix, si on emprunte l'expression de Roland Barthes, le grain de la voix que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'intonation, mais aussi la convention générique, n'est-ce pas ? Eh bien, le grain de la voix des adultes, des grands-parents qui vous ont raconté cette histoire entre deux plats qui s'associent à l'enfance, c'est une autre relation à ce passé-là, une relation adoucie et une relation nostalgique. Et cette troisième génération recourt très souvent à la fiction, à la fable, à la métaphore. Elle n'est pas dans le conflit avec la génération qui précède. Bojanakev représente la langue de la révolte, le cri